mais je suis vraiment con, moi. Normalement, c'est la première chose que tu fais quand tu démarres un jeu. Pourtant, moi, j'ai pas eu cette réaction. Sur la route avec Dave, et cette fois-ci vous pourrez m'entendre et en même temps entendre la musique du jeu, c'est génial. Donc là on recommence le dialogue de base. Donc wesh, je sais déjà plus qu'est-ce que j'avais choisi la première fois qu'on avait joué. Donc du coup je lui demande c'est quoi la paye, et lui il me répond, comme dans toutes les locations de Freddy's, c'est en dessous du SMIC. Ouais, donc. Là, on s'en fout de toute façon. Je veux de l'argent, ok, c'est inacceptable. Ah, mais c'est vrai. Ouais, bon, là, c'est juste. Insert funny name. Dans le 2. Donc j'ai peut-être creusé indirectement la première et deuxième guerre mondiale. J'ai tué des enfants dans des costumes de Mel Scott. J'ai Leaf Foxy dans l'ancienne location et j'ai été arrêté. J'ai volé un chewing-gum une fois. Non mec, je suis aussi propre que Freddy Fazbear. Ouais, c'est Freddy Fazbear ça. Oh rien, sérieux alors. Tu dois signer ce morceau de papier, ça n'est rien d'intimidant. On a tous signé ce papier. Ouais, ok. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dessus. Ouais. De toute façon, là, on a déjà vu le dialogue. Ouais, pourquoi pas. Tout pour se débarrasser de ce travail. Ouais, pourquoi pas. Merci. On amène les 5 enfants. Les 5 enfants ici. Et après, trouve les enfants en faisant des performances dans le costume. Bonne chance. Le costume a disparu et il est de même pour l'homme. Quoi ? On va sauvegarder le jeu. Du coup, on fait la route Purple Guy. D'abord, il faut écouter les cassettes. Bonjour, bonjour. Bon, allez, je vais rire puisque comme ça on va mieux m'entendre. Bienvenue dans les cassettes d'entraînement de Freddy Fazbear's Pizza. Ces cassettes vont te transformer je vais complètement changer la phrase. D'un homme désespéré qui reçoit le SMIC en
en une mascotte que tout le monde aime en un rien de temps. Les résultats peuvent varier, et par résultat je veux dire que tu peux avoir des poumons qui vont être remplis avec du métal rouillé de Springlock, ce qui n'est pas bon bien sûr. Pour mettre un costume, choisis l'un des Handcracks. C'est un peu quelque chose comme des Killbiches, donc prendre un des Killbiches de Freddy's et utilise donc le Killbiche pour compresser les Springlock mortels sans faire attention sur le côté du costume. Une fois que tu as repoussé tous les morceaux de métal coupant et instable sur les côtés du costume, monte dedans et ne fais pas ressortir rien de métallique ou ta morceau. Maintenant, oui, il y a quelques ressorts qui peuvent cliquer parce que tu es un hooligan qui ne fait pas attention. Ces ressorts, quand ces ressorts du coup ressortent, c'est connu comme un Springlock Trigger. C'est un peu comme si tes poumons et plusieurs vieux en métal rouillé était marié, tu vois. Maintenant ça n'a pas l'air aussi horrifique que ça quand justement comme ça en vrai, mais si quelque chose comme ça arrive, ne panique pas employé, vite frappe les ressorts pour les recompresser de nouveau sur les côtés du costume, loin de tes poumons. Si tu es trop lent, tu vas sûrement avoir quelques poumons pleins de pics en métal rouge. On va donc parler de plus de trucs sur le costume dans la leçon de demain. Merci d'avoir écouté. Et s'il te plaît, ne tombe pas accidentellement et ne meurs pas après avoir été empalé par des Springlocks. Honnêtement, c'est vraiment... ça n'a pas vraiment l'air bien pour la compagnie, tu sais. Merci, rappelle-toi. Mets ça sous le tapis, c'est probablement rien. On va devenir un furie. Non! Voilà. Merci direct Dogo. Allez. Je suis chaud. Vite, compresse ces Springlocks avant qu'il y ait une frayeur. Les Springlocks sont en place. Bravo. Tu ne vas pas mourir en ce moment dans le temps. C'est facile d'être affluent en vrai. Vive. Allez. Je sais pas si on va genre vraiment foncer juste pour foncer pour terminer le jeu ou pas. Je vais sûrement faire des trucs hors caméra là du coup, parce que j'ai pas juste envie de rush comme ça, tu vois. Enfin, déjà on va
On va emmener les enfants, puis après je vais faire des trucs en tout temps. Alors, du coup là on a deux options. Donc là on a et les enfants vous aimez bien le gâteau. Du coup là c'est attiré. Là c'est attiré, mais de façon vraiment pauvre. Gâteau en un. Un gâteau. Gâteau 1 du coup. I love cake. J'aime le gâteau. Rencontrez-moi dans la salle des grands. Yo les petits. Là c'est vraiment là que je suis genre wesh wesh de jeune. Mais là c'est bitch mais sensuel. Yo les pièces. Je sais pas, c'est pas drôle. Il va y avoir donc une fête dans la safe room. I'll see you back there. On va se voir là-bas. Comment on peut changer un peu? Je vois que tu portes ton costume. Est-ce que ce truc est sûr? Cool cat thème. Je me sens sexy. Je crois qu'on a des fait ça. Je me sens sexy. Cat loves you. C'est dérangé. Je te vois. Oh non. Hello. The health inspector. The health inspector. Oh non. En plus, je l'ai jamais vu dans des chez Tatrizin. Je connais que du 3. Bonjour, je suis l'inspecteur de... I want to inspect the pizzeria's elves. Oh non, non. Je veux inspecter la santé de la pizzeria. Oh non. Il va nous fermer encore. Je dois jeter de la pizza pourrie. Peu importe ce que tu fais, ne laisse pas nous fermer. Is that man's headphone? That sounds like a health hazard. Especially for him. Mais... Oh... Je suis trop content d'un événement random. Wow. Est-ce que cet homme a un téléphone sur la tête? On dirait un hazard de santé, surtout pour lui. I saw a robot drip blood and mucus out of its mouth. Non. J'ai vu un robot qui avait du sang et du mucus qui coulait de sa bouche. I saw Fred Bear in the back. We told you guys to throw it in the bin. J'ai vu Fred Bear à l'arrière. Je vous ai dit de... je vous ai dit de le jeter dans... I'm afraid I will have to fail you guys. J'ai peur que je devrais vous échouer, les mecs. Ok, je te vois. Je te vois plus tard, donc là, je laisse partir. Non, attends... On peut faire un deal. Pas dans ce sens-là, on peut faire un marché. Ah, le black market. Like what? Comme quoi? Attends. Ah ouais, parce que c'est un boss. C'est un boss dans le jeu. Attaque l'inspecteur de santé. Je vais te donner des pizzas gratuites. Et si je te donnais genre 50 fast tokens? Ok, va-t'en, je m'en fous si on est fermé. Attaque! Attaque the health inspector! Les fous! Le fuck! Aïe! Ah, c'est quoi ce fond? Fight! Die health inspector! Aïe aïe aïe! Il ne peut pas me vaincre! Je suis beaucoup trop puissant! Tiens, sale chienne! Je vais défendre cette pizzeria avec toute mon âme. Vas-y, tu te balles, je sais pas, j'ai attaqué moi cette pizzeria. Attends, c'est compliqué pour moi.
l'inspecteur 2022. Ah voilà. J'ai tué l'inspecteur de santé. This won't be the last you'll see of the health department, Freddy Fazbenders. Ce n'est pas la dernière fois que vous allez voir le département de santé Freddy Fazbenders. Bah ça je le sais. Même dans le 2. Je suis sûr il apparaît dans le 2. Ah 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 ah. Ya ya. Mon travail employé. Si au début tu ne succèdes pas, fais exploser l'inspecteur de santé. C'est sa phrase, pas vrai? Tu as maintenant une faveur. Attends. Ça, je savais pas qu'il y avait ça dans le jeu. Tu peux m'invoquer dans le fils. Et tu peux utiliser. Je te vois plus tard en play. Ouh! Waouh! En plus, on a perdu. Je peux pas sauvegarder. Du coup, parce que j'ai déjà. Il y a déjà les enfants là-bas. Normalement, je dois en amener 5, mais sauf que. Je n'ai amené que 2. Où est-ce que tu trouves les autres enfants? Attends, mais je m'en sers plus. Eh, par contre, là. On est en train d'explorer un nouveau truc à Freddy Fazbear, ça. Ça, j'étais pas du tout au courant. Faveur. Ok. Qu'est-ce que tu demandes? Je veux. Oh 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 oh! Tellement. Oh non! Eh, j'aurais vraiment dû essayer de sauvegarder. Ça aurait été mieux. Je veux rencontrer Scott Cawthon. Je veux. De compagnie chien, une promotion, je veux une augmentation, je veux des salles gratuites, je veux. Il faut que ça ne pas durer, je veux défourer le cul de Chica et ne pas être viré. Débloque le niveau illégal de Bradbert pour moi. Ok, promotion. Ok, tu vas être promué à assistant député sous inférieur. Tu vas être promoté à député assistant sous inférieur manager. C'est quoi ça? Ce qui va te faire gagner. Un gros bonus de 200 tokens, ce qui est équivalent à 2$. Ok, donc 100 tokens, c'est 1$. Ah, je suis pauvre. Du coup, j'ai... Je suis pauvre. Merde, j'ai gaspillé ma faveur. C'est de la merde pour toi. Non. Les enfants, vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai juste pris un peu trop de. J'ai juste mangé un peu trop de ketchup. Aussi, il y a des enfants ici. Donc, tu étais clairement en train de. Kidnapper des enfants. Kidnapper.
kidnapper des enfants et mourir sont contre les règles de Freddy Fazbender Pizza TV. Il traumatisait des enfants. J'ai dit une voix, mais... Ouais, donc je viens d'aller voir sur YouTube parce que je suis con. Et c'est bon, je sais où trouver les autres enfants. Shadow Dog. Tellement mystérieux, tellement du monde d'or. Quel est son... sa backstory? Là, il y a personne. Je me demande où est Fredbear. Petit enfant qui nous passe. Qu'est-ce que vous aimez, mes enfants? Sure, I love gâteaux. Ouais, j'adore gâteaux. I'll see you there. Je te vois là-bas. Ouais, donc c'est juste la même chose. T'as une gueule à t'appeler Kevin ou Maxence. Vas-y, Maxence. Kevin. Kevin Max. Tu vois. Je t'appelle Kevin Max maintenant. Ok. Bienvenue à Fazbender. Sure. I love cake. Ouais, j'adore. Ouais, par contre, t'as pas de personnalité. I'll see you back there. Tu m'étais une clé but. Je te vois là-bas. Allez, salut, Kev Max. Max Kev. Mais t'es marre. Ces enfants là, et moi je te dis longtemps. Bon travail, aussi, c'était un acte de première classe au Oldsport. On va fermer cet endroit dans peu de temps. Reste avec moi, gamin, on va aller loin. J'ai presque oublié. Désolé les enfants. La prochaine fois, ne faites pas confiance à des putains de furies. En vrai, je pense qu'on peut arrêter la vidéo. Hein. Je veux pas faire encore des vidéos qui vont durer je sais pas combien de temps. Alors que il est 6h de l'après-midi, alors que 6h de l'après-midi arrive, tu prends ton dernier regard et tu regardes les 5 petits corps. Est-ce que tu es 5 enfants et t'es vraiment valait vraiment est-ce que ça valait vraiment le coup pour fermer cette pizza de merde. De toute façon, ce qui a été fait, tu dis au revoir à ton nouvel ami et tu pars. Demain est un autre jour.